Nadine. Vous avez une identité nationale au Sénégal ? Nadine. Vous avez une culture, vous avez des règles, des lois, un bien vivre ensemble. Pour tout ce qu'on a fait pour la France, il est normal qu'on... Mais non, on peut pas accueillir tous les Sénégalais. Mais peu importe que l'UMP s'indigne, que l'étranger soit leur alibi, que tant on brise devant la France, narque nos origines. La justice, on pourrait croire qu'elle est à deux vitesses. C'est fou comme les idées de Marine se vendent en carte SIM. Nadine, l'ignorance fait plus de victimes. La République se meurt, ne connaît plus ses codes PIN. Nadine, jamais de force ou de gré, de son corps à de près, la France on l'aime de loin comme de près. Et si le peuple râle face à vos joutes orales, c'est vos idées ont mis à mal la sphère électorale. Burqa, polygame et viande halal, car cher, j'ai l'impression que les priorités s'y tournent à l'enfer. Réfléchis une minute, à l'approche du second tour, ça fait la une des minutes. L'ex-donneuse de leçons fait la cour, plus que des valeurs partagées, c'est vraiment de l'amour. Fier que l'électeur ait fait le sourd à vos propos, un semblant de démago, trop clair était le topo. Les masques tombent, atterrés, oui, on les tous. Je ne suis pas raciste, puisque j'aime le couscous. Plus noir qu'une arabe, tendancieuse ou maladroite. Nadine, aussi sûr que vous faites du mal à la droite. Le bas niveau de la politique, l'intolérance et la bêtise ne sont pas la faute des humoristes. Sortie de piste, Nadine. On les a ghettoisés et il y en a beaucoup qui sont arrivés en situation irrégulière, qui sont arrivés qui n'avaient pas de boulot. Et là, des logements à vivre à 15 ans, les logements, des polygames et tout. J'aimerais tant qu'enfin les gens comprennent que faire place à l'intolérance pousse à l'extrême. Faire front nationalement, les mettre en faute. Dis-moi pourquoi les gens ont-ils peur de l'autre, Nadine. À l'opposé de ce que tu envisages, tes excuses n'effaceront pas les larmes de mon visage. Malgré leur dire garder la tête haute, leur faire comprendre qu'ils n'ont plus rien à craindre de l'autre. Mmh.